c'est qu'en fait, les sacrifices de conditions de vie, les soldats, ils sont habitués à les accepter. Quand ils s'engagent, ils savent qu'ils ne s'engagent pas pour être logés dans des hôtels 3 étoiles. Le problème, c'est qu'il faut que la mission ait du sens. Et c'est bien là qu'il y a un problème, c'est qu'avec Sentinelle, on est dans le cadre d'une mission dont le sens apparaît de plus en plus lointain, de plus en plus incompréhensible, alors que le dispositif est maintenu dans des proportions massives. Et donc, c'est sûr que pour des jeunes soldats qui s'engagent avec l'idée qu'ils vont servir leur pays par les armes, eh bien, il y a un problème de fidélisation derrière parce que la mission n'est pas à la hauteur du sens qu'ils peuvent attendre du sacrifice auquel ils consentent.